Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Jouer avec moi, jeu pour enfants. Aujourd'hui, donc, j'ai un truc super cool pour vous, c'est du sable cinétique. C'est the one and only. Donc en plus, on a donc un petit wagon de glace, enfin, un petit... super cool. Un petit glacier ambulant. C'est créer des délices glacées comme par magie. Donc, un camion de crème glacée. Super top. Et c'est aussi donc un... On a donc ne sèche jamais, never dries out. Donc c'est fait donc élaboré à partir de sable naturel. On prépare des délices glacées sans limite. Donc voilà, donc libre cours à votre imagination. Donc ça c'est vraiment top. Donc vous avez vu un petit exemple hein, sur la photo de fond pour les différents tests de différentes combinaisons, différentes choses que l'on puisse faire. Voilà. Voilà, donc facile à modeler, à... travailler, donc le sable magique qui captive les temps. Voilà. Ne sèche jamais, facile à nettoyer, facile à modeler, élaboré à partir de sable naturel, sans blé, gluten ni caséine. Voilà, 2 sachets de sable de sable cinétique, donc Kinetic Sand, 227 grammes, un camion de crème glacée Kinetic Sand, 5 moules Kinetic Sand, un outil Kinetic Sand, un feuillet d'autocollant, pas mal de matériel. Il y en a des outils ici. Voilà, donc c'est pour les petits, mais pas les tout petits. Bien sûr, ça peut être un peu dangereux dans certains aspects. Ah, j'ai besoin d'une paire de ciseaux déjà. Ok, donc là on a notre petit camion de crème glacée. Vous m'avez imaginé quand même un petit peu plus grand. Mais... pas mal quand même. Ok. Et voilà, bien sûr, les instructions également. Avec tout ça. Petite cuillère à glace. Avec le petit récipient, petit bol. Et donc les 4 roues de notre camion de crème glacée. Bon, elle ne roule pas toute très bien, mais c'est déjà ça, c'est pas mal. Pour jouer, ça suffit, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Comme une petite manivelle, donc je pense qu'on peut la fixer ici. L'emplacement prévu à cet effet se trouve là. Ok, donc on va pouvoir tester, voir ce que ça fait après. On a 2 moules, donc un côté avec des fruits, et l'autre donc on a des petits nœuds, des petits accessoires, coquillages, cœur, étoile. Les autocollants bien sûr. Ok, donc notre petit cornet de glace.
petit, ouais, là, le petit bol, le petit récipient, où ça va être compliqué de le faire passer. Voilà, voilà de quoi faire nos petites boules de glace. Ok. Donc ici, donc, on a tout le sable magique qui peut être passé à l'intérieur. Ici, on a notre petit récipient, notre petit cornet. Et on peut commencer par exemple avec le bleu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas vraiment encore le sable celtique, le Kinetic Sand, c'est un mélange de sable et de pâte à modeler. Donc vous avez vu, c'est très particulier comme consistance, c'est assez original. Donc on peut le former, on peut faire des petits, le modeler. Et voilà, et ça fait un petit peu aussi un effet liquide, c'est assez intéressant. Ok, là ça passe peut-être pas très bien. Voilà, ouh, j'ai ma nivelle. Bon, je veux dire que la première expérience a, premier essai a un petit peu échoué. Ok, donc là, autre essai, donc on va continuer, on va tourner la manivelle. Donc je refais. Voilà, donc ici donc on a une petite ouverture dans laquelle on peut mettre donc le sable, le Kinetic Sand, comme ceci. Et ensuite, donc ben, j'ai plus qu'à tourner. Vous avez vu ce qui se passe là? Et regardez en bas, et ça s'ouvre, et pof, ça tombe. Et ça fait aussi une petite forme. Voilà, donc une petite meringue, ça fait comme une. Voilà. Très sympa avec des petites courbes. Donc ça mérite enfin ça demande une petite un petit entraînement avant hein, pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, j'adore le Kinetic Sand, je trouve ça génial. Et puis bon, c'est très agréable à travailler, c'est faire plein de choses avec. Voilà. Donc c'est vraiment génial pour les grands et les petits. Hein. Alors n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires sur ces petits camions de crème glacée. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Et n'hésitez pas à me dire aussi quel est votre parfum de glace préféré. Voilà, on a du bleu, on a du rose. N'hésitez pas à attribuer un parfum pour chaque couleur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et puis on se dit à très très vite et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Salut !